Salut à tous, c'est Annihilateur. Je vais vous présenter ma toute première vidéo commentée sur Call of Duty Modern Warfare 3. Donc, je suis toute excitée vraiment. Alors d'abord, pourquoi je fais cette vidéo? Alors, comment ça a commencé? Alors vraiment, c'est assez marrant, hein, vous allez rire. À la base, c'est un copain, il était chez moi et tout. On jouait à la PlayStation, on jouait à Battlefield 3. Et puis, il s'est amusé à prendre des photos avec son portable. Et puis après, je lui ai fait, bah vas-y, on fait une vidéo, ça va être marrant et tout, on va la mettre sur YouTube. Et c'est comme ça que ça a commencé. Donc vous avez vu la. Je sais pas si vous l'avez vu, hein, la première vidéo. Si vous l'avez pas vue, n'allez pas la voir parce que c'est vraiment dramatique. C'est une vidéo de qualité, mais vraiment nulle. Vraiment nulle. Et ensuite, j'en ai fait une deuxième avec l'iPhone de ma soeur, une semaine plus tard, que j'ai posté, mais là vraiment c'était pour travailler avec la musique derrière, tout ça. C'est là vous pouvez aller la voir, hein, toujours de Battlefield. Et donc voilà, là je vous poste une vidéo de, je vous fais une vidéo de Call of Duty Modern Warfare 3, parce que j'adore les Call of Duty, hein, depuis Modern Warfare 2. Alors faut vous sachiez, j'ai commencé moi à jouer au Call of Duty à partir de Modern Warfare 2, et je l'ai acheté en cours de route. Donc je n'avais pas encore la PS3, je venais d'arrêter le célèbre jeu World of Warcraft. Je venais d'arrêter parce que bon, ça commençait à corser tous les devoirs, donc j'ai dû arrêter. Et donc j'ai remplacé par la PS3 qu'un pote avait. Et donc j'ai beaucoup joué sur ce Call of Duty Modern Warfare 2. J'ai eu deux comptes. Hein. J'ai eu un premier compte où j'ai dû jouer 15-20 jours de jeu. Et un deuxième, c'est ce compte actuel, donc, et Annihilateur. Et je sais pourquoi j'avais supprimé l'ancien. Je crois que c'était dû à mon idée en ligne qui était vraiment nulle en fait. Hein. Moi, en fait, je connaissais pas. Et quand j'ai fait mon idée en ligne, je pensais que c'était un mot de passe. Donc j'ai mis un truc compliqué, vraiment nul, qui faisait pas au fond. Alors là, donc voilà. Donc voilà. Là, sur ce Call of Duty Modern Warfare 3, vraiment j'apprécie beaucoup, je passe pas mal de temps dessus, hein, ces derniers temps. Au début, j'ai joué, mais pas trop, mais là, je sais pas, ces derniers temps, j'ai beaucoup joué, vraiment, je l'attendais depuis longtemps. Ça. Alors, moi, quand j'ai eu Black Ops, on a beaucoup joué avec mes copains. Mais c'est vrai que bon, j'ai préféré Modern Warfare 2, mais j'ai passé quand même du bon temps sur Black Ops. Alors vraiment le point positif que j'ai beaucoup profité dessus, c'est le mode zombie qui est vraiment excellent. Je vais vous dire, moi je crois moi je suis arrivée manche zombie tout seul sur la carte Kino d'Air Totem. Je suis arrivée manche 32 tout seul. Donc si vous voulez un jour vous ferez une vidéo avec un copain qui lui aussi est arrivé manche 26 je crois tout seul. Sachant qu'il n'avait pas de jeu, hein, je l'avais prêté. Donc il n'avait pas pu passer autant de temps que moi. Alors voilà. Donc maintenant, je vais commenter un peu le gameplay de cette partie. Donc on est sur Underground, une carte qui est à Londres. Je joue avec en arme principale le ACR 6.8 avec un silencieux. En arme secondaire, le Desert Eagle. Et je joue en bonus série d'élimination spécialiste, je joue en assaut. Alors voilà, moi j'ai deux classes préférées, hein, cette classe que vous voyez et une autre classe, le PP4, avec le PP90M1 et en arme secondaire, si je ne me trompe pas, avec en arme secondaire. Ah ben j'ai complètement oublié en arme secondaire ce que j'ai. Bon voilà, j'ai une arme secondaire. Et je crois que c'est un pistolet. Et voilà, et avec d'ailleurs avec cette deuxième classe aussi je fais des ravages. Donc cette première classe, je joue un bonus de série d'élimination assaut. Et j'adore utiliser ce drone. Quand je l'ai utilisé pendant la campagne, j'ai tellement vraiment j'ai adoré jouer avec. C'est vraiment. Un drone sympa, c'est facile à jouer, c'est marrant, je peux tirer des roquettes, tout ça. Non, vraiment, j'adore jouer avec, c'est pour ça que je choisis souvent. Hein. Mais bon, c'est quand même assez difficile, hein. Faut tuer 10 mecs
pour y accéder. Mais bon, en même temps, vu que je fais de la domination, je prends des points pour chaque base qui est capturée. Donc, c'est une partie assez bien. Pour l'instant, nous sommes en tête de 40 points à peu près, hein. Je fais une assez belle partie d'ailleurs. Donc, vous voyez. Donc, voilà. Alors déjà, j'espère que vous avez remarqué que la qualité vidéo s'améliore à chaque vidéo, hein. Parce que... Donc là, j'ai eu un caméscope pour mon anniversaire il n'y a pas longtemps. Et... Dommage, j'aurais pu avoir le deuxième. Donc, j'ai eu un caméscope pour mon anniversaire. Et voilà. Et je poste... et je fais ces vidéos-là avec ma toute première vidéo avec ce caméscope. Je trouve que bon, c'est une, c'est Itachi mais full HD tout ça. Mais bon, c'est vrai, j'aimerais bien me prendre un HD PVR, mais je pense que je m'en prendrai un dans quelques temps. Et si vraiment, je ne m'achèterai pas un HD PVR, je l'aurai un coup de tête, hein, c'est comme 200 euros hein, à peu près. Que si vraiment, et des gens commencent vraiment à voir mes vidéos, tout ça. Alors ouais, j'aimerais bien savoir ce que vous pensez de mes vidéos, hein, parce que moi, avant tout, je l'ai fait pour... pour moi, vraiment, je trouve que c'est comme des petits trophées pour moi. Hein. Et pour mes copains, si c'est comme ça, et c'est sympa, ils voient comment on joue et tout. Voilà. Alors, ce Call of Duty Modern Warfare 3, ce que j'en pense. C'est vraiment, donc il est génial. Le seul défaut, comme l'a dit Diablo 9, parce que j'adore ces vidéos vraiment, c'est ce temps de retard. Et c'est vrai que la dernière fois je jouais avec le MK14, j'ai tiré 3 balles dans le thorax d'un ennemi et lui il m'a tué, et je comprends pas, je regarde la killcam, je vois il ne m'a dans la killcam, je ne suis censé avoir tiré aucune balle alors que j'ai quand même tiré 3 balles, je suis pas fou. Et donc voilà, et c'est vrai c'est énervant ce temps de retard. Donc des fois l'ennemi peut l'avoir, hein, de ma faute, je sais pas. Donc mais bon, à part ça, il faut un peu filtrer les parties, essayer de pas être l'autre, hein, de voir quand vous voyez que vous n'arrivez pas à jouer. Bah après faut pas tout le temps remettre la faute sur est-ce que c'est, bah j'arrive pas, je me fais tuer parce que c'est moi l'autre, c'est pour ça que je me fais tuer, sinon je tue tout le monde, je suis le meilleur. Non, c'est, il faut pas, hein. C'est pour ça des fois moi j'ai un peu cette maudite réaction générale, c'est parce que c'est moi l'autre tout ça, mais bon je continue quand même et je vérifie. Et des fois je m'aperçois que non, en fait, parce que après j'ai tué 5-6 ennemis d'affilée sans mourir. Donc là, pour l'instant, nous sommes vraiment en train de gagner, nous sommes en train de laminer. La dernière fois que j'ai commenté le score, on avait 110 points, ils en avaient 70, maintenant on en a 183, ils nous en ont 90. Pour dire, vraiment, on est en train de les bousiller. Voilà. Alors, moi, quand j'espère vraiment ma chaîne YouTube prendra de l'ampleur et... tout. Et ben voilà, moi j'ai quelques petits projets, vous me laisserez des commentaires, hein, ce serait sympa. Sur quel jeu vous voulez, Call of Duty, Modern Warfare 3, peut-être une vidéo de zombies avec un copain, hein. Un mode survie, vraiment, où je suis quand même assez bon, je trouve. Hein. J'ai pas joué énormément, mais bon, j'ai quand même joué assez pour avoir fait un assez joli score. Et voilà, vous me direz. Donc j'ai quelques projets en tête, moi. Bon, alors je vous dirai ça pour une prochaine vidéo. Alors voilà, j'espère que t'auras aimé, hein. N'oublie pas de liker, de laisser un petit commentaire. Ah, c'est moi qui ai la webcam, c'est cool. J'allais tuer le deuxième. Donc n'oublie pas de laisser un petit commentaire, vraiment, ce serait cool, de liker. Et je sais, ça fait beaucoup, mais abonne-toi à ma chaîne, vraiment, ça me ferait plaisir. Parce que bon, j'ai très peu d'abonnés. Merci.